ce mardi 6 décembre, dès 21h10, Canal+ diffuse le film inédit presque avec au casting l'ex-inconnu Bernard Campan et Alexandre Jolien, tous deux réalisateurs du long métrage. L'occasion de revenir sur l'affaire qui vise ce dernier, accusé d'agression sexuelle depuis le printemps. Ce mardi 6 décembre, la chaîne cryptée Canal+ diffuse dès 21h10 un des coups de cœur cinéma de la rédaction, la comédie dramatique presque de et avec Bernard Campan et Alexandre Jolien, sortie dans les salles au mois de janvier. À cette occasion, les deux acteurs, dont un premier qu'il faudrait convaincre de relancer Les Inconnus selon Pascal Légitimu, nous en avaient dit plus sur les coulisses du film, réalisé entre amis comme un road movie solaire. Alexandre Jolien, une plainte pour agression et exhibition sexuelle pour des faits qui remonteraient à 2015 toutefois, le nom d'Alexandre Jolien faisait couler de l'encre le 10 juin pour une toute autre raison. Nos confrères de l'AFP révélaient en effet que le tout jeune acteur, philosophe de son état, était visé par une enquête du parquet de Paris après le dépôt d'une plainte pour agression et exhibition sexuelle. Les faits remonteraient à l'été 2015, l'acteur de 47 ans, atteint d'une infirmité motrice cérébrale, qui était d'ailleurs au cœur du film presque, se serait livré à des attouchements sexuels sur un ancien stagiaire alors âgé de 20 ans de la maison d'édition Les Arènes, lors de séances de travail dans la chambre d'un hôtel parisien. Le plaignant clame également qu'Alexandre Jolien lui aurait demandé de lui faire un massage des mains et proposé de se dévêtir à plusieurs reprises, ce qu'il aurait refusé. Dans les colonnes du Parisien, il confiait avoir informé la maison d'édition de la situation, sans pour autant porter plainte à l'époque. Alexandre Jolien, je n'ai jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit d'ordre sexuel pour me Guimard, avocat d'Alexandre Jolien, cette plainte récente, traitée par le commissariat du 5e arrondissement de Paris, a pour volonté de nuire comme il l'assurait dans Le Monde, les gens qui le connaissent savent que c'est la gentillesse même. Les faits dénoncés, sont en totale contradiction avec ce qu'il est et ce qu'il a pu exprimer à travers ses écrits, il est très soucieux des autres et du respect de la loi. L'acteur et philosophe, marié et père de 3 enfants, contestait lui aussi les faits dans la presse, « Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit d'ordre sexuel. » Depuis le 10 juin dernier, l'enquête suit son cours. Retrouvez le film presque dès 21h10 sur Canal+ ce mardi 6 décembre et sur MyCanal à lire aussi Bernard Campan et Alexandre Jolien, leur amitié à l'épreuve, un premier rôle. Dans les coulisses de leur film presque.